Je vous expliquer pourquoi, parce qu'on a une petite catastrophe quand même qui s'est passée avec les enfants pendant cette semaine de confinement. Hello tout le monde, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que toutes vos familles, vos enfants, vos parents se portent bien, que tout votre entourage se porte bien par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. J'espère que tout va bien de votre côté. Écoutez, chez nous, voilà, ça fait maintenant J plus 7-8 confinement, je pense comme chez tout le monde. On va parler un peu de ça, de ce qui s'est passé cette première semaine de confinement, comment ça s'est déroulé, quelles difficultés on a rencontrées, voilà ce qu'on a fait dans la semaine. Donc pour ça, on va papoter un peu tout en se faisant un peu chouchouter, parce qu'il faut bien donc prendre soin de soi et voilà, ne pas se laisser aller pendant cette période difficile de confinement. Je sais que c'est pas facile voilà, quand on est tout le temps à la maison 24 sur 24, H24 en pyjama, de se donner en fait la motivation d'aller ou se pomponner ou faire attention à soi ou faire un peu de sport dans son balcon. Voilà, des fois on a vraiment la flemme parce qu'on se dit à quoi bon quoi, on est tout le temps voilà, allongé à rien faire. Du coup aujourd'hui on va faire un petit soin maison, vous allez le suivre avec moi. Parce que comme vous le voyez, je commence à être vraiment vachement cernée. Parce que ce qu'on fait quand on est confiné, c'est qu'on est tout le temps sur les écrans, tout le temps sur l'ordi, sur la télé, etc. En train de lire, d'essayer de lire un livre. Essayez, je dis bien essayez, parce qu'avec les enfants, c'est pas facile. Et pas facile du tout. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir. Bah moi écoutez, ça fait quelques temps que je ne suis pas sortie. Ça fait depuis vendredi dernier, aujourd'hui on est samedi, donc ça fait voilà une semaine, plus d'une semaine. La dernière fois que je suis sortie c'était vendredi et je n'ai plus remis les pieds dehors. Voilà, la seule personne qui est sortie à un moment c'est Mister K et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a une petite catastrophe quand même qui s'est passée avec les enfants pendant cette semaine de confinement. Et je pense qu'il va falloir faire super super attention parce que voilà, les enfants en temps normal ils sont où la moitié du temps à l'école. Voilà, ils sortent, ils s'aèrent et là quand ils sont enfermés à la maison, tout peut arriver, je vous assure, tout peut arriver. Alors, pour commencer, on va commencer à papoter, mais pour l'instant, on va commencer à se démaquiller avec ce baume démaquillant de chez The Body Shop, les filles. Ce baume-là, je crois que c'est l'un des plus vendus comme baume en fait démaquillant en France. C'est le baume camomille beurre démaquillant sublime. Il est juste génial. Regardez, je suis déjà au fond. Pas mal d'entre vous l'ont acheté par rapport à mes conseils et sont revenus me dire franchement qu'il était juste génial. Il démaquille super bien. Donc c'est un beurre comme ça, comme un beurre de karité en fait, à la camomille, donc comme ceci, et vous allez venir donc le passer. Alors démaquiller, quand on dit démaquiller, c'est pas obligé que vous soyez maquillé pour venir vous démaquiller, c'est vraiment, il faut toujours avant faire un soin ou même de prendre soin de votre peau, venir enlever déjà toutes les petites impuretés que vous avez. Et ce n'est pas parce qu'on reste à la maison que genre on n'a pas la pollution, etc. Il y a plein de poussière, il y a plein de choses qui viennent se déposer sur le visage, donc il faut absolument venir enlever tout ça. Donc là je le travaille, je le malaxe, donc voilà vous voyez il devient comme de l'huile sous le doigt. Donc au contact en fait de la chaleur de la peau, il se liquéfie en fait. Alors en temps de confinement je vous jure que en fait tout, on revoit tout, tout en fait. Le fait d'utiliser du coton, comment faire quand on n'a plus de coton. Donc moi petite solution, les petites éponges, donc il faut toujours en avoir à la maison. Parce que quand vous n'avez plus de coton, c'est ce qui remplace le coton. Les petites éponges ou les petits carrés comme ça en tissu démaquillant, ça c'est génial. Donc voilà, quand on ne peut pas aller faire les courses quand on veut, au moins avoir ça sous la main. Donc là j'enlève le baume démaquillant avec un peu d'eau. Donc je vous disais, première semaine de confinement assez rude parce que je pense que c'est le temps de se faire au rythme, le temps de se faire cet état où on est en fait, on est dans l'incertitude de savoir quand se termine ce confinement, quand tout ça va s'arrêter, quand le cours de notre vie va reprendre à la normale quoi. Et du coup on a plein de questions et pas de réponse à nos questions. Après voilà, on est là, on attend. Apparemment, donc là, apparemment, enfin, ce soir, il y a Mr. Macron, Monsieur Macron, Monsieur le Président, qui va parler encore une fois. Et je pense que là, il va sortir les gros moyens parce que les gens ne comprennent pas du tout, genre, qu'il ne faut pas sortir. Donc là, je ne sais pas, cette phrase, ne pas sortir de chez vous, je ne sais pas quel mot est incompréhensible dans cette phrase, c'est pas possible. Donc il y a toujours des gens qui sortent. Là, juste à côté de chez moi, j'entends des jeunes sur des scooters en train de faire tout et n'importe quoi. Enfin.
Bref, on va pas rentrer dans cette polémique, mais Monsieur Macron reparle encore ce soir. Et je pense que là, ça va barder parce que là, il faut sortir les gros moyens parce que les gens ne comprennent pas. Les Français, en général, ne comprennent pas. J'ai l'impression que les autres pays, les autres nations arrivent à comprendre et avoir du civisme et s'auto-gérer, en fait. Et que nous, on est comme des mauvais élèves en train de nous sortir le petit bâton derrière pour nous dire « Eh, faut pas faire ci, faut pas faire ça. » Donc, I don't understand, je comprends pas. Bref, on va passer maintenant au gommage. Donc pour le gommage, j'ai choisi le gommage de chez Pixi, l'Hydrating Milky Pilk. Et celui-ci, il est juste, j'ai une crème exfoliante douce et vous allez voir ce que ça fait sur le visage. C'est juste une dinguerie. Donc déjà, je vous montre la texture. La voilà. Voilà, petite texture super légère, super fraîche. Gel avec des petites billes en fait à l'intérieur, mais vraiment très très fine. Et du coup, donc on passe ça sur le visage. Et on va gommer, ça fait une peau tellement douce les filles. Et un éclat du visage de dingue. Donc et là on malaxe. Voilà, on essaie de pas trop. En fait quand on fait un gommage, c'est pas bien de venir en fait froisser les muscles en faisant. Donc on gomme mais en douceur, donc avec des petits mouvements vraiment très très doux. Sinon ce que vous faites, c'est que comme je vous ai montré, donc ce qu'on fait en esthétique nous, c'est que vous mettez en fait vos deux doigts pour tenir la peau, c'est ce qu'on fait en soins en institut, pour tenir en fait votre peau, et vous venez donc gommer entre les deux doigts, tout en maintenant vos muscles en fait ici, et vous gommez tout en avançant entre vos deux doigts, voilà. Donc là je gomme, je continue. Et vous voyez en fait que ça commence à faire une genre de petite pellicule blanche. Ici, de petite peau en fait. On insiste bien sur les commissures et sur des lèvres qui sont souvent très foncées. Et voilà. Pour donc cette première semaine de confinement, ça a été, on va dire, un peu... Ça va. Parce que bon, vous savez qu'au début, on ne s'ennuie pas parce qu'on trouve pas mal de choses à faire. Sauf qu'après, quand ça commence à se répéter... C'est là que ça devient difficile et que bah, il faut trouver en fait des moyens de se réinventer, de se renouveler, de faire des choses nouvelles. Voilà, à part pour les personnes qui aiment bien la routine et qui aiment bien refaire toujours, tous les jours la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas facile, surtout pour nous encore ça va les adultes, mais pour les enfants, c'est vraiment pas évident de pouvoir les occuper quoi. Donc ce qu'on a fait nous cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça, d'ailleurs je vous mets dans le petit i la dernière vidéo, je vous ai montré un atelier pâte à modeler pour les enfants, donc on a fait de la pâte à modeler à la maison, et je vous assure que ça les a tenus, mais genre des heures occupées, et des jours occupés au moins pendant 2-3 jours, donc là ils ont arrêté d'y jouer, mais franchement ils ont pas mal joué avec, ils se sont amusés, ils ont créé plein de choses, et donc voilà ça les a amusés de faire eux-mêmes leur pâte à modeler, et puis après d'aller jouer avec, ça c'est top. C'est vrai que le confinement hein, quand même c'est côté un peu, c'est côté positif, faut le dire, c'est qu'on se reconnecte en fait avec sa famille, on se reconnecte avec ses enfants, on passe beaucoup plus de temps avec ses enfants parce qu'avant ben, on courait et on courait après la vie en fait et on vivait pas vraiment, j'ai l'impression qu'on ne vivait pas. Et du coup là ben, on réapprend les gestes les plus simples comme par exemple ben, se nettoyer avec des bouts de tissu, faire du pain maison, voilà, tout ça c'est des choses auxquelles on revient, les choses en fait les plus basiques que tout le monde faisait il y a des années, et nous on y revient. C'est comme si la terre ou la nature nous avait dit stop, j'en ai marre, arrêtez de m'épuiser, commencez à compter sur vous-même. Du coup, c'est bien. Moi, je trouve que ça a beaucoup de côtés positifs. Bah, déjà, d'une, vous restez en bonne santé parce que vous restez enfermé, vous ne sortez pas, vous ne mettez pas en danger la vie des autres et vous ne mettez pas votre propre vie en danger. D'une, et de deux, bah, vous vous reconnectez avec votre famille. De trois, bah, vous reposez déjà. Et puis, voilà. Donc, bizarrement, ça a vraiment pas mal de côtés positifs. Voilà. Donc là, je viens d'essuyer bien comme il faut mon petit gommage, donc mon petit peel. Ensuite je vais venir poser une lotion, donc on lotionne à chaque fois après le peeling ou après un masque. Donc la petite lotion que je vais mettre, c'est la lotion de chez Typology, le tonique apaisant à la niacinamide. Pareil, je mets ça sur un bout de tissu, pas sur un coton, ça, ben, ça permet de réutiliser, pas besoin d'aller acheter du coton, voilà. Après les bouts de tissu, vous pouvez vraiment pas obligé d'avoir d'acheter sur internet, ça se vend sur internet, je vais y arriver. Mais vous pouvez très bien, ah tiens bizarre, ça a la même couleur que ma chemise, coïncidence. Vous pouvez créer vous-même, vous prenez une petite serviette que vous coupez en petits carrés et vous utilisez ça. Et le plus c'est que c'est lavable en machine et voilà. Donc là, ma petite lotion est passée.
Voilà, je vais venir poser donc maintenant mes masques. Pour ça, j'ai pris un petit masque ici de chez Sephora que j'avais dans mon placard. Bien aussi, c'est qu'on utilise tous ces produits maintenant qu'on a le temps. On fait beaucoup de soins, donc on va vraiment vider les placards. Donc, petit masque de chez Sephora, un masque à modeler au charbon. Donc ici, il va falloir... Donc, c'est un masque, en fait, vous savez, des petits seaux comme ça que vous venez à remplir d'eau. Donc là, vous avez juste la poudre dedans. Et vous avez la petite spatule sur le côté du couvercle ici. Voilà, petite cuillère, tout est dedans. Il faut juste simplement rajouter de l'eau. Donc moi, je n'ai pas rajouté de l'eau, mais je vais rajouter de l'eau de rose. Comme ça, au moins, ça va permettre aussi et de purifier, mais en même temps d'hydrater ma peau. Du coup, eau de rose qui vient du Maroc, celle-là, El Beldi Rose Water. Et on va verser jusqu'au trait où on nous dit stop ici. Je regarde parce que j'ai pas envie que ça soit trop mou. Je fais ma petite tambouille. Voilà. Donc écoutez, nous, cette semaine, en fait, on a eu une petite catastrophe, comme je vous disais. Avec Balkis, je vous l'ai dit sur le live sur Instagram, et en fait elle jouait avec son frère dans la chambre, et puis on était dans la salle à manger, donc tout se passait bien comme d'habitude quoi. Sauf qu'à un moment, Souleymane, en jouant en fait, j'espère sans faire exprès, parce qu'il a lancé sur la tête de sa soeur une marmite de dinette. Petite marmite en ferraille, vous savez, de chez Ikea, pour la dinette des enfants en fait. Bon, je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont fait ça en métal, je sais pas. Bref, donc c'est venu sur la tête de sa soeur, sur le front. Et du coup, ben, elle a été amochée au front. Mais vraiment, il y avait un trou vraiment très très profond. Moi, j'ai failli tourner de l'œil quand j'ai vu le trou. Et là, voilà, le sang sur le front. Ben, vous m'avez tout dit, Asma, le sang du front, c'est incroyable comment ça coule. Et voilà, c'est impressionnant en fait, le sang qu'on peut perdre en fait quand on s'ouvre le front. Et du coup, ben, ça a été... On a en fait voilà, rompu notre confinement entre guillemets, parce qu'il a fallu que Mr. K sorte en urgence, sortir Balkis aux urgences quoi. Franchement, j'étais beaucoup plus dégoûtée qu'il aille aux urgences et qu'il me ramène cette saleté de Covid-19 que le fait qu'elle laissa en fait. Bon, j'avais peur aussi pour elle, mais je me suis dit bon, ça va être 2 points de suture, 3 points de suture. Et ça va aller, et finalement je voulais pas du tout qu'ils sortent, mais bon là c'était obligé, on pouvait pas faire autrement, le problème c'est ça. Donc du coup voilà ce qui peut arriver quand on est en confinement, que les enfants sont tous les jours à la maison, bah, qui stressent, qu'ils en peuvent plus de toujours rester. Donc faites attention aux accidents domestiques. Malheureusement, comme ils passent beaucoup plus de temps à la maison maintenant, ben il y a plus de risques qu'ils fassent un truc des catastrophes. Donc faites attention. Donc nous là on pouvait pas les surveiller 24 sur 24 pendant qu'ils jouaient. Mais c'est vrai que voilà, dans la cuisine pareil, faites attention, voilà, parce que là maintenant en étant en confinement, et surtout que maintenant les hôpitaux sont vraiment surchargés, voilà, vous voulez emmener vos enfants, vous avez peur qu'on vous dise non, non c'est rien, rentrez chez vous. Voilà, donc d'autant plus, il faut faire vraiment d'autant plus attention à ça. Donc là, je pose mon masque, donc là il va se figer en fait, je vais attendre qu'il se fige, et après en fait il va devenir un peu comme du plastique et je vais venir le retirer. Alors on nous apprend en esthétique à bien poser un masque, c'est-à-dire que même quand vous posez un masque à une cliente, il faut le poser joliment, il faut pas le poser genre allez je fais n'importe, il faut vraiment faire bien le tour, bon là il arrache, j'ai pas de miroir devant moi, bien le tour de la bouche, bien le tour des yeux, etc. Que ce soit joli, joli à voir, même si la cliente ne se voit pas, mais c'est comme ça, c'est important. Donc je vous disais voilà, donc on a été obligé de sortir, donc ben, résultat 2 points de suture pour Balkis. Dès qu'ils sont rentrés, bah, il a fallu qu'ils se désinfectent partout. J'ai lavé le linge directement à plus de 60 degrés. Donc si vous voulez vraiment désinfecter votre linge, c'est à plus de 60 degrés. En fait, faites pas avec, comme moi, j'ai mis une écharpe qu'il fallait laver à la main à plus de 60 degrés pour la désinfecter. Elle s'est esquintée, l'écharpe. Donc du coup, j'ai perdu mon écharpe. Donc faites attention à vos affaires comme à vos étiquettes de lavage. Voilà, et donc 2 points de suture, bon elle va bien, hein. On a eu plus de peur que de mal, elle va bien, donc là elle joue comme si de rien n'était. Alors on est obligé de lui dire fais attention, t'as quand même 2 points de suture, va pas faire que ça s'ouvre encore, qu'on aille encore aux urgences. Donc on n'arrête pas de surveiller, donc là je lui change ses pansements en fait. Normalement c'est l'infirmière qui doit le faire, mais apparemment comme ils sont débordés, c'est à nous de le faire, elle vient venir juste enlever les points de suture. Donc je fais bien attention de bien désinfecter mes mains pour pas que ça s'infecte au niveau de ces points de suture. Et je la désinfecte, je mets de la biseptine, je mets, vous savez, de la pâte, pas de la résine. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, le truc transparent à mettre là.
Du coup, et voilà, dans 6 jours, dans 7 jours, 6-7 jours, je dois appeler l'infirmière pour qu'elle vienne lui enlever les points de suture. Voilà la petite péripétie de notre première semaine de confinement. Donc je vous dis pas, franchement, on était en panique. Ça a été une journée, mais épuisante. En fin de journée, on était KO parce que bon, bah, on était en stress, on courait de partout, le sang qui coulait, il fallait qu'il aille vite aux urgences, on a attendu qu'il revienne, enfin, voilà quoi. Alors, ça y est, donc là, j'ai mon masque qui s'est durci, donc je vais commencer à l'enlever. Donc c'est ce qui est le plus satisfaisant dans ce genre de masque. Et voilà. Ouh. Ça fait du bien, c'est super rafraîchissant. Donc, vous voyez comment il s'enlève? Oups. Je mets tout ça là. Donc, je vous disais, ce qu'on a fait, c'est qu'hier, avec Mister K, on s'est aidé à faire tout le grand ménage à la maison. On a vraiment javelisé toutes les surfaces, le sol, les meubles, les tables, tout, pour que ce soit bien propre et, enfin, comme d'habitude. Mais là, on s'est dit, on sait jamais, on a peut-être ramené ça de dehors, du coup. On s'est dit, on va vraiment tout désinfecter, tout javeliser. On a utilisé du vinaigre avec de l'eau. Si vous n'avez pas de produit désinfectant à la maison, utilisez du vinaigre blanc et de l'eau. Tout simplement, ça fait l'affaire aussi. Donc voilà, si vous êtes à court de produits nettoyants, ça peut le faire avec ça aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait hier. Quoi d'autre? Ben, les matinées, bon, on les passe à faire les devoirs avec les enfants. Puis voilà, on essaie de se regarder quelques petites séries, petits films. Moi, j'essaie de lire un peu, de me remettre à mes livres que j'ai arrêtés. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'avais commencé le livre de Michelle Obama. Et du coup, je l'avais pas terminé. Parce que je le prenais pas souvent avec moi quand je partais en train à Paris, parce qu'il est quand même assez gros. Et voilà, donc petite idée aussi, relisez des livres que vous avez en attente ou des livres qui vous faisaient envie. Voilà. Vous pouvez même lire ça sur des. On peut même faire ça sur des plateformes, des applications en fait de lecture de livres. Donc je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme application. Moi je vais vous donner ce que j'ai comme application pour lire. J'ai que je me retrouve. Il est où? Voilà, donc moi j'ai Kindle et Audible. Kindle, Audible et SoundCloud, ça c'est pour les podcasts. Si vous voulez écouter des podcasts, ça aussi c'est bien les podcasts. Pour celles qui ne savent pas, c'est en fait comme des émissions un peu radio que vous écoutez sur un peu tout, que vous pouvez écouter quand vous voulez en fait. Il n'y a pas d'heure à suivre. Et donc c'est des petites émissions radio d'ailleurs, notamment si vous voulez suivre celle de Rokhaya Diallo, je vous les conseille vraiment, elles sont super. Je vous mettrai ça en lien en barre d'infos. Et vous savez, les podcasts, c'est ce que je voulais faire depuis très longtemps. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et peut-être que je vais m'y mettre. Hein. Peut-être que là, vu que j'ai beaucoup de temps, je vais peut-être m'y mettre. Alors, je ne sais pas comment ça va faire avec le bruit des enfants derrière, mais je vais peut-être m'y mettre. Donc voilà, petite idée. Donc, lisez des livres, écoutez des podcasts. Voilà, ça fait passer le temps aussi. Et ça permet de faire vraiment autre chose que regarder la télé toujours, ou l'ordi, ou son téléphone. Voilà. Donc du coup, je dois finir ce livre là de Michelle Obama. Je vais me remettre à le lire. Comme ça, au moins, bah, j'aurai profité de cette période pour le finir, quoi. Voilà pour notre masque. On l'a enlevé. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez vraiment la différence avec mon visage tout à l'heure. Donc bon, j'ai toujours mes cernes, hein, mais mon visage est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Et là, je touche à la main, il est beaucoup plus lisse. Donc ces petits masques-là, ils coûtent vraiment pas cher chez Sephora et ils sont bien. Donc bon, maintenant vous pourrez pas aller les chercher sur place, mais je crois que vous pouvez les commander encore. Je sais pas si on peut encore recevoir des colis. J'espère que quand tout ira bien, bah, vous pourrez aller les tester. Je vais venir ici placer aussi, pendant que je vous parle, les petits patchs en fait yeux. Donc vu que là, bah, ça y fait beaucoup les cernes, j'en ai vraiment pas mal. J'ai vraiment pas mal de cernes. Donc je pose mon petit patched. Mon petit patch détoxifiant et hydratant de chez Pixi Beauty aussi. Il est juste génial. Donc timbre lissant pour les yeux. Ça va lisser le dessous de l'œil. Donc je le pose ici comme il faut et je vais pendant ce temps-là papoter avec vous. Alors petite idée, après vous pouvez faire des recettes qui étaient en attente dans vos cahiers depuis longtemps, que vous aviez capturé sur l'écran depuis un bout de temps que vous vouliez faire. Bah, faites-les maintenant. Voilà, c'est le moment ou jamais de tester vos recettes. Et puis moi je pense que je vais vous en faire des recettes en fait pratiques pour ce moment de confinement. Pas des recettes de qu'on fait tout le temps parce que... On ne peut pas aller en magasin acheter ce qu'on veut quand on veut. Je vous ferai des recettes avec genre recettes basiques comme avant en fait. Dites-moi ça en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse des petites recettes comme ça.
genre quand on n'a plus de pain, genre quand on... Enfin, des trucs, voilà, genre comment faire quand on n'a plus de pain, comment faire quand on n'a plus de beurre, comment faire quand on n'a plus ci ou de ça. Donc, revenir au basique, quoi. Alors, je vais, enlever mes petits patchs, ça y est, les 5 minutes sont passées. Donc voilà, je viens d'enlever mes patchs. Mais encore une fois, je vais passer un peu de lotion après le masque. Donc je reprends un autre carré comme ça, hop, le tissu, et je viens tamponner un peu de lotion. Ensuite, vu qu'il faut en revenir quand même au basique, je vais venir prendre les produits, vous savez, je vous en ai parlé, des produits de Cosmica, Cosmica Naturel. C'est des produits bio, Nature et Progrès, donc un label plus exigeant que le bio. D'ailleurs, je vous ai fait gagner 80 euros de produits sur Instagram dans un concours. Bravo à celle qui a gagné ces 80 euros de produits. Donc ça, c'est génial. Cosmica, franchement, ce sont des produits géniaux. Donc là, j'utilise en fait deux produits donc à l'immortel pour bon, les signes de l'âge. Premier signe de l'âge, même si j'ai pas vraiment de signe de l'âge très très marqué. Mais je préfère quand même, voilà, quand même le faire. Je préfère quand même le faire parce que moi, j'ai 40 ans quand même. Il serait temps. Donc là c'est donc l'or jaune, sérum pour les signes de l'âge. Donc l'or jaune, j'aime trop. Il me fait penser ce sérum à un sérum de chez L'Occitane à l'immortel que j'utilisais. C'est un peu la même odeur. Et même voir la senteur, c'est un peu, je crois, les mêmes produits qu'il y a dans une huile que j'achetais beaucoup plus cher, tellement plus cher que ce produit-là de la marque Sarah Chapman. C'est vraiment la même odeur. Donc je suppose que c'est le même produit. Sarah Chapman, que j'aimais beaucoup ce sérum nuit, et franchement, voilà. Donc là, vraiment, on est sur du moins cher, on est sur du bio, 100%, 100% bio. Et Sarah Chapman, c'était pas bio du tout. Donc, du coup, je suis contente d'avoir quand même fait la connaissance de cette marque-là et de la jeune fille ou jeune dame qui les fabrique, qui s'appelle Celle Sébile. Et merci en tout cas à elle. Elle les fabrique en France, dans la Drôme, dans ses propres champs. Elle cultive, elle ramasse, elle fait les plantations, elle sèche elle-même ses plantes, elle les distille elle-même, elle fait les distillations elle-même. Enfin voilà, tout est fait de A à Z dans son champ, en fait, près de son champ. Et ça c'est juste génial. Donc là, j'ai mis mon petit sérum L'Or Jaune. Et enfin, je vais venir poser ici ma Immortelle Royale. C'est une crème de jour et nuit à l'immortel. Donc regardez, j'en mets en ce moment tous les soirs. Et je pose ma petite crème à l'immortel. J'oublie pas mon cou, surtout l'ovale du cou. On perd beaucoup de fermeté quand on avance en âge, surtout à ce niveau-là. Voilà pour la petite crème à l'immortel. Enfin, moi, j'aime trop les odeurs. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas trop les odeurs de produits bio. Moi, je sais pas, je kiffe. Les odeurs de produits naturels, j'aime trop. Voilà! Pour notre soin maison spécial confinement. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite séance papotage autour, du confinement et autour des soins visage. Ben voilà, comme ça vous fait un peu passer le temps, ça vous fait profiter un peu et changer un peu les idées. Voilà, écoutez, moi sur ce, je vous fais de très très gros bisous, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon dimanche, prenez soin de vous et de vos familles. Ne sortez pas, restez chez vous, restez confinés, ne sortez pas. Et voilà, j'espère que tout ça se passera rapidement et qu'on pourra reprendre le cours de nos vies normalement. Je vous embrasse très 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 fort. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous voulez me soutenir, cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.